Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité de mon ouverture de 1000 abonnés. Donc l'ouverture du bloc HGSS, donc les 4 extensions du bloc. Hier on a ouvert du Hard Gold Soul Silver de base, et aujourd'hui on s'ouvre du Hard Gold Soul Silver, mais la série Déchaînement, donc qui est aussi sortie en 2010. Donc la deuxième extension du bloc. C'est une très belle extension, hein. J'aime beaucoup les primes, les légendes qu'il y a dedans. On va voir ça ensemble. Donc, on a quatre illustrations différentes. Le Entei, le Nosfera. Non, c'est Nostanfer, bien sûr. Le Raikou et le Suicune. Donc, Suicune qui est très beau. Bah, les quatre illustrations sont superbes. Mon Pokémon légendaire préféré, c'est Entei. Donc, je vais le garder pour la fin. Ensuite, on va faire Suicune, Raikou et Nostanfer en premier. Donc, voilà, deuxième vidéo des 1000 abonnés. Deuxième extension d'HS. Et c'est parti les amis. On y va, on commence avec Nostanfer. Une série qui est bien sortie en 2010. Hein. Si vous voulez lire la description, je vous invite à faire pause. Pas de soucis. Donc voilà. Je suis très content de faire cette ouverture en plusieurs parties. Parce que les 1000 abonnés, c'est quand même une grande étape dans une chaîne YouTube. Enfin, pour moi, c'est une bonne étape hein, déjà. Puis du coup faire durer l'ouverture des 1000 abonnés, je trouve ça bien. Ça fait une petite semaine d'ouverture sympa. Donc on commence avec un petit Seraphrous, Onyx, Nosferapti, un Roselia. J'ai déjà ouvert pas mal de boosters d'échaînement. Il me manque encore pas mal de cartes, donc ça tombe bien. Un petit Onyx, bien sympathique. Ensuite on a une carte dresseur plus power. Une autre carte dresseur super rappel. J'en profite qu'il y a du soleil hein, parce que depuis ce matin il pleut et il y a des nuages. Donc là j'en profite pour faire mes vidéos. Bavardage du maître. Ensuite c'est la reverse normalement. Un Negapi en reverse. C'est une peu comme une reverse. Et on finira avec un Roserade en rare. Qui tombe assez souvent en rare je trouve. Et qui n'est pas super belle. Enfin, pour moi, c'est pas super réussi comme carte mais bon. C'est pas grave. On continue avec le petit Raikou. Enfin, le petit. Là, il a faim. Hein. Il veut des croquettes. Donnez-lui des croquettes, s'il vous plaît. Allez. Certains boosters des extensions d'échelonnement commencent un peu à se faire rares. On a du mal à les trouver quand même. Notamment les indomptables et puis les triomphes, hein, qu'on trouve pas facilement. Enfin, je trouve, moi, personnellement. Alors que récemment, il y a quand même des boosters Hard Gold Soul Silver et des chaînements qui sont ressortis. Ah, pas très cher, on peut les trouver. Hein. Donc ça tombe bien. Pour les personnes qui veulent compléter les séries, c'est nickel. Donc on commence avec un petit Ambrilex. Reste un petit peu soleil, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Hippotrempe. Roselia. Un Remoraid. Un Teddy Ursa. Coucou Teddy. Hein. Un Boscara. Ça fait longtemps qu'on le voit pas souvent dans les extensions, je trouve, moi. Un petit carapace. Baf, ouais. Ça veut dire carapuce, mais non. C'est bien carabaf. Très joli. Ensuite, on a le questionnaire d'interview. En reverse ou en prime, parce que la prime remplace la reverse, on aura Simularbe, qui est une holo reverse. Donc super. Superbe pioche, ça fait Dora Rana booster. Très très bon booster. Et on finira avec Chortor. Je sais pas s'il a cette voix-là, mais moi j'ai l'impression que ça lui irait bien comme voix. Chortor. Crache du. La fumée. Chortor. Moi je pète un petit peu un câble hein, d'ailleurs. C'est pas très grave. Vous m'en voulez pas. Hein. Hein. On continue avec le petit Suicune. Très très jolie illustration, hein, vraiment. Allez. Les boosters s'ouvrent bien donc ça c'est cool. Je peux les garder comme ça. Gardez-moi ça. C'est nickel, hein? Tac. Ah. Non, il y a une carte qui est restée dedans. Je sais pas laquelle c'est. Je vais la mettre dedans, tant pis. Faire 1, 2, 3, 2. J'ai peur de m'être planté là quand même. Parce qu'il y a une carte quand même qui est restée dedans. Il y a une carte à l'envers là. Est-ce que c'est bon signe, à votre avis? Que la dernière carte soit à l'envers? Moi je pense que c'est bon signe. Je pense que c'est bon signe. Qu'elle provient pas du même
Paquet de cartes, je ne sais pas trop. Ça sent la légende. J'espère. Infect. Ambrilex. Carapuce. Terral. Je regarde si des fois je me suis pas planté. Hein. Férocinge. Ah bah si, je me suis planté. Bon bah c'est Tarpo. Holographique. Voilà. C'est peut-être celle-là qui était restée, ou je sais pas trop. Une carte qui était restée dans le booster, tant pis. Tarpo que je n'ai pas, donc c'est super. Très très belle carte, hein, moi je trouve. Avec le petit. Je sais plus comment ça s'appelle, la couronne là qui permet de faire évoluer. Tartare. En Tarpo. Superbe carte. Bon, tant pis, j'enchaîne. Un Solourdeau. Le récupérateur d'énergie. Nosferapti. Et on finit avec. Là, bah, c'est la reverse qui est à l'envers du coup. Et c'est une rare reverse, donc c'est cool. Steelix. En rare reverse. Ça fait plaisir. Bon bah un très bon booster. Très très bon booster. Donc une petite holographique. Je vais mettre sous pochette. Tac. Voilà. Petit tarpeau. Et on va finir donc cette ouverture avec le Entei. J'espère va me porter chance. Mon petit légendaire préféré. Bon, je vais essayer de prendre toutes les cartes cette fois. Hein. Ce sera mieux. Hein. Voilà, c'est bien. Nickel. 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Dernier booster d'ouverture, HS d'échelement. Terral. Férocinge. Nosferapti. Très jolie carte aussi. Ah, Riolu, mon ami. Mon ami Riolu. C'est vrai que je crois que dans cette série, il y a un petit Lucario. Je sais plus si c'est l'holographique, je crois. Bon, rare. Natu. Hypocéan. L'encouragement hystérique. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'elle fait. Un Seriflore. Ensuite, c'est la reverse ou la prime. Un reverse. Tétarte. Très belle carte. Hein. C'est vraiment un effet un petit peu... On dirait que c'est de l'aquarelle. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit de l'aquarelle. Très belle carte. On finira avec un Colossinge en rare. Ok. Colossinge en pâte à modeler figurine tout pas beau mis sur un dessin. C'est pas grave. Bon, bah le résumé va être rapide. Puisque je vais vous montrer que la carte intéressante. Enfin, sont toutes intéressantes, mais la meilleure carte on va dire de l'ouverture. Qui est donc le petit Tarpo en holographique. Voilà pour l'extension. HS déchaînement. J'aurais bien aimé avoir une petite prime pour vous montrer, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, j'ai encore des boosters à ouvrir, y a pas de soucis. Dites-moi si cette petite ouverture vous aura plu. Donc là c'est la deuxième partie, donc sur les quatre parties que j'ai prévues du bloc HS, donc Heart Gold Soul Silver. Demain on s'ouvre les boosters HS Indomptable, une très très belle série. Et après-demain bien sûr HS Triomphe pour terminer le bloc. Donc je vous dis à demain, n'hésitez pas à commenter, à partager si ça vous plaît et si vous voulez partager cette vidéo avec d'autres personnes, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit like, ça ferait toujours plaisir pour les 1000 abonnés. Et je vous dis à très bientôt, donc à demain de toute façon. Allez, salut.